Salut YouTube, nous revoilà après des aventures incroyables que je n'ai pas enregistrées parce que je ne voulais pas vous infliger ça, mais j'ai eu un problème de sauvegarde, j'ai réparé moult bugs, sauf que en réparant ces bugs apparemment, ou en testant avec un nouveau perso le jeu, je ne sais pas ce qui s'est passé en gros, mais j'ai perdu ma sauvegarde, une partie de ma sauvegarde, donc j'ai dû rattraper tout ce qu'on a fait sur, il me semble, les deux derniers épisodes. Bon, bref, j'ai tout rattrapé en une heure et demie à peu près, en rushant de fou. Donc on a un cheval. On a un cheval comme avant. Il n'est pas mort. On n'a pas rechargé le jeu pour le récupérer. Si quelqu'un de Twitch vous dit que c'est le cas, c'est faux. Et en plus, j'ai acheté la maison. Voilà. Donc je l'ai acheté, j'ai acheté les meubles qui coûtaient 300 couronnes. Comme ça, on n'est pas à poil. Parce qu'il existe un système qui vous permet d'acheter des plans. Des plans pour... Ah putain, mais on peut enchanter, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs à l'étage comme ça. Et donc oui, il existe des plans... Ça augmente juste sa valeur, quoi. Ouais, mais Abdelix veut de la valeur sur lui. Voilà. Mais donc oui voilà, vous pouvez acheter des plans qui vous permettent de créer des meubles et autres. Donc assez intéressant. Non bah non, l'écorcheur ça me ferait chier de le perdre. Ça me ferait chier de le perdre. À part peut-être si j'ai une épée en argent, vu que les dégâts se jouent à 1. Bah, ça c'est mon coffre sécurisé. Le mana se régénère 4% plus rapidement. Les sorts de psionisme. Ouais, donc ça on laisse. Aussi, j'ai ajouté quelques modes, rien de méchant, qui ne change pas le jeu en profondeur. J'ai juste ajouté un moyen de reroll le perso si jamais je pète un câble au bout d'un moment, ce qui pourrait arriver, mais je ne l'ai pas fait pour l'instant, vu que je me suis rendu compte que c'est juste moi qui allais dans des zones trop haut niveau pour moi. J'ai ajouté une modification de la vitesse du cheval, parce que j'en avais parlé, je trouve qu'il s'essoufflait trop vite et c'était un peu chiant. J'ai ajouté la possibilité de modifier les textures des armes pour qu'elles soient un peu plus jolies. Et c'est tout. Normalement, c'est tout. Et je crois que si j'avais fait un truc pour avoir à la fois le collier pour invoquer l'autre con, là. Voilà. Donc on peut invoquer maintenant le personnage et avoir un deuxième collier, ce qui est quand même un peu plus logique. Hein, parce que bon, connaissant Abdelix, moi, le bling bling lui fait pas peur quoi. Donc bon, hop, flûte équestre. Oui, ça c'est pour le cheval j'imagine. Donc voilà, ce sont les seules choses que j'ai légèrement modifiées. On a rattrapé un peu notre retard qu'on avait perdu à cause de la sauvegarde. Et là donc on va pouvoir reprendre... Où on en était, donc c'était retourner voir Bourse d'Or après l'attaque des brigands et après avoir reçu notre paye à la banque. Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau à me faire faire? Un pré-prétrifié, un souhait de vous voir en personne, chose qui envisage de vous embaucher en tant que protecteur, félicitations. Let's go! Après, non, c'est qui, Maldal? Let's go! On va être embauché, let's go! Mais c'est qui le patron? Bourse d'or et les trois ours. Bourse d'or et les trois ours? Putain! Oh la ref! Je vois au plus de trouver. Ne pas attendre. Pourquoi être si brusque? Attention, ouais. Hein. Je m'en fous. Mais je vais le cogner, lui, là! Oh, there is no problem. Let me put it. But I guess that's just how this world works. No, of course you don't. Walk.
Vieux fils de pute. Well, a bit of everything. Just look for yourself. Bourse d'or et bourse pleine, hein. Parce que là, clairement, t'as besoin d'aller tirer un coup, hein, Pépère. Hein. T'es un peu tendu, hein. T'es un peu tendu, hein. Mais ce n'est que mon avis. C'est que mon avis. Spécialiste, il faudrait peut-être en racheter. Ça coûte 79. J'en achète deux. Ça peut être pratique. Ensuite, le reste, c'est bon. D'ailleurs, ça coûte combien un parchemin ? Mais en vrai, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque quand on y pense. Parce que du coup, tu payes un parchemin, par exemple, 56 balles. Mais tu prends la mirade, ça te coûte que 25, quoi. What blessed. Un peu de l'arnaque, hein. Après, tu me dis, oui, mais il faut aller jusqu'à la tour. Bah, les couilles. 25 sous de différence, c'est 25 sous. Bon, continuons, en tout cas, notre aventure. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, moi, je ne veux pas. Raccourci, on va aller là. Nos emprunts, ça, on laisse. Trouver la novice, ça on laisse, on n'y touche pas. On va se focus sur ces quêtes-là, au moins c'est à notre niveau. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, jeu? J'ai un peu peur de cette sauvegarde-là. La miniature me fait un peu peur. On essaye, mais j'ai peur. J'ai peur. Non, ça va, c'est bon. Tac, petite sauvegarde rapide. Walkquest. Oh, hello. Ok, on peut y aller. Donc là, normalement, j'imagine qu'on passe au stade 2 de la guilde, quoi. Et on voit à travers tes murs. Attends, mais si mon patron n'a pas de quoi se payer... Ouais. Ah, le prenez pas mal, hein, mais c'est pas sûr que j'ai envie de bosser pour vous, là. Hein. Hop, déjà on commence à voler. On vole le patronat, hein. Tant qu'à faire. Ouais, potion. Now a good pipe of peace, oui. Jesus, why is that stuff so expensive? J'aimerais trop que dans ce genre de jeu, on tombe sur un PNJ qui te dise d'un seul coup, non mais je vous ai vu voler en fait. C'est la première chose que vous avez fait. Vous êtes rentré, vous nous avez volé. Ah, j'aimerais bien ça, ce serait drôle. Ce serait drôle. Ouais, c'est pas ici. C'est ça, c'est une commode. Là, on s'en fout. On peut encore monter. Work, work, work. D'accord. Take a seat. Ouais, 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 take a seat. Avec l'IA qui sait. En vrai, je trouve que ce serait drôle. Allez! Maël Dalloran, là. Qu'est-ce que t'attends, là? Il est sérieux, là? Ah, ça va. Bah, dépêche-toi, papy, là. Moult donzelles et moult aventures attendent Abdelix. Merci d'être là, je suis Maël, hein, sur ma voix. Maître de la guilde Fossilerie, quel est votre nom? Une formalité, dites-moi pourquoi je... Abdelix! Well met. Enchanté. You're an outlander. And I'm sure you know by now that the Golden Circle is more than just a band. Cette marchand, c'est bastion de Vertrayen dans une époque où elle n'existait presque plus. Oula, oula, je suis rentré au RN. Merde, je me suis fait avoir. Ah, le droit de faire preuve et guérir ou non, combattu, c'est ça, exactement ce que vous avez fait. Comme premier cours, je tiens à prendre droit au rang de protecteur. Mon Cédrien, je pense que Cédrien ne protège pas le plus loin depuis longtemps. Tenez la même chose, il me semble pas être très heureux pour être honnête. J'ai besoin de me faire j'imagine autrement. Ah, le chat a disparu. Attendez, excusez-moi YouTube. Le chat a disparu. Bon. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, hein. Ça reste un stream. Hein. Donc il me faut quand même le chat. Hein. Ouais, est-ce que ça prend pas plus longtemps normalement? Parce que c'est peut-être un peu louche, hein. D'accord.
Bah tiens, l'autre connard de Bourse d'Or, là. You know, there were times when Mindelus was young and full of ideals. C'est l'époque qui révolue depuis longtemps. Oh, un peu trop passéiste, le Maël d'Al-Loran, là. But you're fit for the task. Even he should see that. Ouais. How? With floors made of marble and statues of gold? This is not a brothel for nobles. It's a place of work. And in my experience... Ouais, c'est très carré, hein, quand même. One thing above all else. Non, parce que bon... Vous êtes des marchands, mais tu rentres chez un marchand, le magasin est dégueulasse, t'as pas forcément envie d'acheter ses... Voilà, ses services, quoi. The same is working for the trading post. Only you will no longer... You promise to honor the principles of the Golden Sickle, and to... In return... You will be granted a good pay and path of biding honest work. What other outlanders would give their left hand for, if I... You don't have to be. You help the sickle when it needs help, and you get paid. That's it. Bah ça m'intéresse. Can you read and write? Oui. Excellent. This contract contains what we expect from you in written form. Read it, sign it, and then we can... Tu peux vraiment le lire? Attends, parce que moi, si jamais il y a un moment où il essaie de m'entuber, la Faucille Dorée et Abdelix, du coup, je m'engage par présent de servir la guilde des marchands de la Faucille Dorée comme protecteur afin de, jusqu'à la révocation de ce document. Ceci comprend le respect des statuts de la guilde de la loi, ne jamais agir contre la Faucille dans mes partenaires commerciaux. Ouais, bon, s'il y en a un qui me regarde de travers, je vais lui mettre un coup de tête. pas fan, hein. Toujours représenté à des convenants, la Faucille, ceci inclut les règles mentionnées ci-dessus. Qui a un comportement décent et éthique. Ah, mais vous savez, Abdelix, l'éthique, c'est variable, quoi. C'est tout dépend de, du poids de la bourse, j'ai envie de dire. La violation de l'un ou plusieurs termes ci-dessus sera punie pour entraîner l'annulation du maintien du contrat de protecteur. Ouais. Bah écoutez, on va signer, sachant que, vu comment on joue, le contrat va pas durer longtemps, quoi. Yes. Excellent. Merci, mais tu veux. Que voulez-vous que je fasse? Oui, avec la coalition des îles bleues. Bah, vaguement. Le marchand de Kylé. Deux ans maintenant. Which is made up of mostly wealthy merchants in Calais, succeeded in restoring rudimentary order. That is if a comment la guerre civile a commencé? Rumors about the supposed death of the Lightborn. It's ridiculous when you say it out loud like that. But the Calais. Oui, bah, oui, des êtres de lumière morts, bien sûr. Bah, ça n'existerait pas. Non, hein. Jamais ça n'arriverait, hein. En plus, vous parlez à un membre de l'église, hein. Non, non, hein, les êtres de lumière sont toujours là, hein. Just a few remaining servants of the Lightborn against the usurpers. Then the latter started turning on each other. Thousands of people died. D'accord. The, it affects trade. Merci, le prix des épices, le sucre de canne, les étoffes qui viennent exploser. Ils font pas. Ce n'est pas le sujet des gens, j'ai besoin de vous quand même ici. Ok. Yes, but it's no ordinary visit. D'accord. Talk of that later. I don't. D'accord. Quel est mon rôle? To meet this emissary and give him this letter. It's a written invitation to come to the guild's house. Faut devoir faire le coursier. Eh, on m'a menti là. We are talking about a representative of one of the world's most powerful merchants. Well. Ouais, bah, je suis juste devenu un postier plus quoi. But I suppose he's somewhere in that city where there are colorful clothes and shining jewels. Calaisans are drawn to that kind of flashiness like children to sweets. Now go. Come back to me once you've delivered the message. Bon. Il a disparu. Ah! C'est pas moi! Cercle de protection. Brûler, charbon. D'accord. Oh, je me suis un peu fait entuber là.
light fades away at the end of the day. Non, parce que moi à la base je pensais que j'allais enfin me battre contre des trucs quoi. Hello. Là je vais juste me battre avec avec des enveloppes quoi, c'est un peu décevant. Et... Mm-hmm. Eh bien allons-y. Nomade dansant. Est-ce que je suis censé trouver quelqu'un? Bonjour Doul ou Dul. In all bad, talk to others. Emissary, the jam not here, the jam other place. Perhaps Dul can remember, but he needs to help his memory. Dul's memory old and full of hope. He right, but sailor life is. Dul heard that pennies can help, but Dul not knows if true. Oh, he wants fight. Dul knows fight. Allez, tu touches pas ma bourse, garçon, c'est mort. Tu vas parler. Voyez les enfants, c'est comme ça qu'on agit avec les émissaires. Tiens! Ça, c'est ce qu'on appelle la politique de la droite! He has what he came here for. Go now! Leave to. Fine, fine, fine! The sham went bathing in house with. He has what he came here for. Ouais, c'est ça, ouais. Et que je t'y reprenne pas! Abdelix! Gendarme, mais gardienne de la paix avant tout. Yes. Ouais. Pourquoi c'est ouvert là? Pourquoi ils me disent d'aller par là? Ah, c'est parce qu'il faut que je sorte. Il faut que je sorte en allant au sud. Bon, c'est pas grave, ça va nous faire sortir un peu. On va sortir de la ville, on va prendre le cheval et on va faire le tour. Yes. What place it, my sir? Il est où mon cheval? Ah, le voilà. Greetings. Regardez comme il est beau. C'est dommage qu'on puisse pas régler le... Oula. La vitesse. Là c'est un peu vénère quand même. Bah tant pis, on va repasser par l'eau. Hein. On va repasser par l'eau. Allez le cheval. De toute façon ça sait nager. Hein. Ça sait nager ces bêtes là. Oula. Comprends pas trop là. Que ce bordel. Bon, c'est pas grave. Yes. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Ah oui, demain c'est au vieux qui pue. Non, attends. Oui, demain on est mardi. Cheval qui nage aussi vite qu'une otarie. Ne sous-estime pas Auréo. Ouais. Dans les termes. Il m'emmerde. Ah mais du coup ce serait les quartiers nobles. Attendez, c'est quoi là-bas? Tour de Mirad, Arc, quartier sud. Quartier noble peut-être plutôt. Quartier noble. A demain, bonne nuit, Lini. Ouais, mais ça... Putain, forcément, les termes sont de l'autre côté. Hmm?
monsieur. Walk blessed. Has my sir, or is my sir simply looking for a place to forget about life's daily sorrows? In either case, pardon, he will be required to pay a toll. Unfortunately, a man with such a name is not known to me. Vraiment? More blessed, or is my sir simply looking for a place? My dame, you should cover yourself with. Bah les couilles. Let's talk downstairs, shall we? I want to indulge in these beautiful springs for as long as I can. As far as I know, yes. Je parle avec un escalier. Daughter of Juran, emissary of the Blue Islands Coalition, and but let's save the introductions for later, shall we? It's cold. By the Seven, what has got? Wipe that uptight look off your face and come. Let's talk downstairs, shall we? Bah, oui, mais madame. Indulge. Vous êtes à moitié nue? For as long as I can. Bon bah écoutez, à Rome, fais comme les Romains. Par contre, je garde la cape. Abdelix veut bien se baigner nu, mais il garde sa cape. What is it? Are you coming? Depends on the business, I guess. Ah! Ils m'ont retiré ma cape! Abdelix se sent vulnérable. So. I was told someone would contact me as soon as we landed, but for the past 2 days, no one. Even though this city has certainly seen better days, at least according to the gossip. Red madness, lost ones in the forests, crazed brigands. I'm sure they have their reasons. I have, but I've been warned that this Delorean is a, how shall I say, a complicated character. I'm ouais, important, and I'll let you feel just how important by letting you wait. Now, aren't you curious? But fine, why not? We want to buy an artifact. Quel genre d'artefact? One of unmatched value. Two golden crystals from of a tier, each of them weighing 3 pounds. Jokes aside, I would be a bad merchant if I went around gossiping with confidential information, wouldn't I? Show me. Formal supper in the guild's house with Delorean himself. Oh my, this is going to be an evening full of jesting and good humor. You can tell Delorean I'll be there. Thanks for delivering the message. Ah, tout le plaisir est pour Tabdelix, hein. Espérons que ce ne soit pas la dernière. Ah, one more thing before you go. Yorinal. I've heard that accent before, but I just can't put my finger on it. Where are you from? Of course, that was it. And how is it that a traveler like you is now running errands for the Golden Sickle? On va pas mentir. Anyway, good luck with whatever you do next. Apparently there's a Calaean minstrel group in this city and they prefer... I'll stay there for the time being. And I wouldn't mind a good chat. Oh, on peut trouver un peu de temps. Then walk blessed, as people here like. Bon, par contre, attendez, hein, on m'a fait retirer ma cape. Je profite. Allez, Abdelix. Regardez-moi ça. Léon Marchand n'a qu'à bien se tenir. Waouh. Quel homme, quelle grâce. Regardez-moi cette musculature là. Oh là là, les dorsaux. On profite, hein. Oh la rapidité. Oh la rapidité d'un homme. Eh ben, c'était fort agréable. Bonne journée, mon brave. Allez hop. Je me disais bien que j'oubliais un truc. La cape, la cape, la cape, la cape, la cape. Vite, je me sens nu. Ah, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux.
On se sent mieux, hein. Alors. Mais pourquoi j'ai deux trucs ? Ah mais d'accord, c'est parce que j'ai ça. J'ai ces quêtes-là qui se mettent. Nous pour l'instant on va faire les quêtes de la faucille. Elles sont pas très haut niveau. Elles ont l'air de rapporter des thunes. Donc on va en profiter hein. Ah oui c'est vrai, il est là-haut lui. Bah non. Bah non. Mm-hmm. En fait, non. Non, ça, on s'en fout. On s'en fout. Quel est cet objet ? C'est très dystopique. Au milieu de tout le reste, là. Non, y a rien de... Bon, bah tant pis. Allez, salut, hein. Bonjour mon brave. Bien votre message, monsieur. Hein, elle a accepté votre invitation là. Oh wonderful. That changes. Ça a à faire avec les femmes. They understand the meaning of responsibility and discipline. Je vais te mettre un revers patriarcal, toi. Maintenant. Go. I will contact you if your services are needed once again. Farewell. Allez, au revoir donc. There's one more thing. This Dijon. What's your take on it? Ah, je serai prudent quand même, hein. Now go. You'll hear from me. Reste prudent, hein. Et regarde-la dans les yeux et méfie-toi. Et on sent que... en affaire... Elle a l'air coriace, hein. Hmm? Oh, of course. Your pay for having a chit-chat with that woman. Well, are you the... 400 balles! Was all that money wet your appetite? Mais j'en dépasse... J'en dépose quand tu veux des messages. Oh, hang on. You know a thing or two about... Landlord Vorek recently complained about rats in his granary. And we agreed to send him a ratter. That would be a job. I can't do Meister that. Penny Pouches? We're... Yes? I... Guildmaster DeLorean sent me. Eh? This new protector. Hmm? Oh, Master DeLorean wishes to see you, my sir. At once, he said. It seemed to be something important. Allez, chez! Why? What's this about? The caravan? Forgive me, my sir, but I don't know. D'accord. Master DeLorean asked explicitly for the new protector. Uh-huh. And it seems someone... Oh, debout! Rats. Off you go. The Guildmaster doesn't like to be kept waiting. Walk blessed. Ah, c'est ça, ouais. Excuse-moi, je suis appelé par des gens importants. Car Abdelix est une personne importante. Putain, mais 450 balles juste pour emmener une lettre, quoi. Mais moi, je fais ça tous les jours, hein. Allons-y, hein. Ah ? Ouais. As I said, without samples, I just can't say, my sir. I am sorry. I understand. Thank you for your time. You're welcome. I'm sorry. I have better news. Ah, salut. Je n'étais pas du tout en train de voler quoi que ce soit. Hein. Je suis détecté. Je ne suis plus détecté. Crochet, couronne. Attends, hein, je fais mes courses. RE, hein, salut.
Thank you for coming so quickly. Ah bien sûr, de quoi s'agit-il ? Voyez-vous même. J'ai eu très peur que ce soit la nana qui... Ouais, c'est Rodas. Et alors ? Oh, il y a moult lingots d'argent là-dedans. Yes. Je vais pas te tourner le dos, toi. Rodas Trevian. I still remember when he was first hired in the trading post. Similar to the way you were. Juste au cas où, hein. Do you remember him? J'ai bien peur que non, hein. Ervan, qui était pris sur les assassins. Mais contrairement aux autres, il a choisi de frayer un chemin. Vous dites que ce cadavre est le cadavre... He was a disciplined, honest young man. Yet despite all his ambition, he never sought to surpass his path. Alors, j'ai des doutes sur le fait que ce cadavre soit le vrai cadavre. Parce que, comment dire, j'ai utilisé Dévoreur d'âme dessus. Donc bon, son corps ne pourrait pas... bref, on va pas lui dire. Hein. On dirait qu'il était important pour vous. He was a good person, always striving, yet with deep respect for tradition. Respect pour la tradition. Ah, vous le voyez venir, le vieux mec qui va chercher un fils de substitution. Four winters ago. I know it was you that brought it back to the trading post. I think it would have meant a lot to him, knowing that it isn't rotting somewhere in the desert. Ouais. Suffice it to say, do you remember him? Eh oui, oui. We found traces of poison in some of the corpses. Ah, c'est pas moi, hein. Non, moi j'empoisonne pas, hein. Traces of Calaean poison. Ouais, c'était censé être des pétrifiés, The petrified are sellswords, pathless and despicable people. But in the end, they are weapons, tools. So the question we have to ask ourselves is... Alors, oui, mais ce serait très con d'envoyer des assassins pour qu'ils utilisent des armes connues comme venant de chez toi. C'est quand même très très con. Ou alors c'est voulu pour qu'on pense que la coalition des îles bleues a à voir avec quelque chose là-dedans, quoi. You say that so lightly. I think it's about time you learn the reason the Blue Island Coalition is here is a bargain. Have you ever heard of the Green Scarab? Les îles bleues, le scarabée vert, la Phocidore, ça va là, là avec les noms de Power Rangers là? Pardon, conscient de l'union, The goddess of Kelae. The scarabaeus is made of a very rare gem that makes it one of the most valuable tools in the civilized world. Est-ce que si on recolle les deux ensemble, ça nous emmène It was originally a Kelaean who possessed it. Ralius Davul, to be precise. Ouais. The founder of the Blue Island Coalition himself. And at that time, one of the richest men on Vin. Oui, donc je disais, si on prend vos morceaux de scarabée et qu'on les met ensemble, est-ce que ça nous amène à la caverne aux merveilles d'Aladin? Parce que sinon, ça peut m'intéresser, moi. Hein. Ah, maintenant, les maquillages sont là. Si, j'ai vos ciseurs. Yes. Ouais. I will spare you the details of how that came to be, but be assured that it was the result. However, the Blue Island Coalition contacted us about six moons ago, shortly after the Calaean Civil War was over. They D'accord. Les peaux sombres, un peu trop attachées aux traditions, peaux sombres. On va se dire qu'ils payent bien. A big one. Let's leave it at that. It is, to be honest, if circumstances, the fact that the Calaeans and all their greed were forced to sell the symbol of their own goddess, is all. But I suppose you also know that our country, Inderall, has seen better times. And of course, all those. And before you ask, it is not as if we have to fear for our existence. But there are certain expenses we simply have to cover. Qu'est-ce qu'il veut dire par certaines dépenses? Have you ever been to the Undercity, the house of the Apothecarii, the Pest House, as it is lovingly called?
The sickle maintains it. And with the current economical situation, we might be forced to shut it down soon. Oui, là, je veux bien savoir. The righteous path is not just some. And from this day, this land shall be your new home, and the threads of which in being of righteous path also means. Un peu fanatique sur les bords, hein. For society as a whole. Rhoda certainly helped me see the Undercity with different eyes. Ah, c'est louable, hein, ce qu'ils font, hein, mais. Il a l'air de le faire pour des raisons très pieuses, quoi. Action d'un commerçant. Bon, chapeau, c'est en vrai, c'est généreux. En vrai, c'est généreux. You are. It was foolish. It was a mistake. I'm responsible. But be that as it may, we owe it to them to find the one who did this. And if the blue eye is vraiment really qu'il aurait volé l'idole et c'est un problème qui serait trop évident. Ah oui, voilà, c'est donc putain, est vraiment le jeu est bien écrit, hein. You're right, but we have to be sure. Correct. We have to reconstruct the poison, and that's why I need you. It's called according to the apothecarius, the thistles can be found in Golden Forest, and the stingers anywhere in the Powder Desert. Dawn flowers don't. Here, this should cover your expenses, and you have my word. If you help the sickle in this matter, your reward will be generous. Je vais pas mentir, hein. Forcément, j'ai envie de savoir parce que je suis curieux, mais dire que ce n'est pas une question d'argent, ce serait pas mentir. Ah, this should be self-evident. Rash accusations without any good luck, protector. D'accord. Niveau 3. My relationship. What do you mean by that? Baptiste pour vous. Substitute son. By the righteous path, you say what is on your mind. I'll give you that. You know, if I take a look at this world as it is these, hardly anyone still respects the righteous path, save for the usual. Par contre, j'ai raté une quête apparemment. Yes, I was born a sublime, but I grew up knowing that our entire life is a trial. Rhoda saw that. He kept on going despite his fate. In a way, he was the living proof that virtue and true path abidingness. But that doesn't mean I treated him any differently. And he would not have expected me to either. Whoever hired these cells d'accord. No matter the price. J'espère que toi aussi, tu seras prêt à mettre le prix. Oh, les bons lingots. Oh, c'est bon, ça. Alchimie expert. Oh, en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Hein. Non, ça se... Vas-y, potion, ça se vole. Ça, ça se vole. Ah, mais attends, au pire, ça se vend. J'ai peur. Ah, attends. Truc dans les tonneaux. Allez, salut, hein. Je te laisse avec le cadavre de ton fils adoptif, on va dire. Hop. Je peux pas prendre la potion. Attends. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est que ça a l'air d'être une quête de rang 3. Parce que le désert, je sais que c'est une zone très haut niveau de ce qu'on m'a dit. Donc là, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va peut-être faire ça là parce qu'il n'y a pas de, de niveau d'inscrit. Ça, c'est la quête principale, donc ça me ferait chier. On peut peut-être aller faire un tour à l'arène. Niveau 3. Niveau 3, c'est peut-être vraiment encore trop, trop par rapport à nous. Ça, on peut peut-être tenter de le faire. Niveau 3, c'est mort. Ah, niveau 2. 5 œufs d'ombrette. Ah, mais le problème, c'est que les œufs d'ombrette, je ne sais pas où les trouver. Bon, bah on a, déjà, on a de la quête. On va voir celle qu'on peut faire là maintenant. Et on verra si on en est arrivé au stade des quêtes de niveau 3. Hein. À moins qu'à Riveville...
À moins que dans les maisons de Riveville, il y ait moyen de gratter quelques quêtes niveau 1, là. Givre froid. Le problème, c'est que ça, là-bas, ça va être... Ah mais non, ça va être la quête qui va m'emmener là-haut, c'est vrai. On a une quête qui a été supprimée à cause de... Le problème, c'est que si c'est dans le désert d'une ville, la zone, elle est vraiment pas à notre niveau. Hein. Parce que quelqu'un me l'a encore confirmé dans les commentaires, le jeu est vraiment découpé par zone. Par zone de niveau. Je sais que tout ce qui est Riveville, c'est zone niveau 1. Alors là aussi, c'est niveau 2, quoi. Peut-être niveau 2, niveau 1. Là aussi, niveau 1, niveau 2. Donc ouais, ça... là-haut, c'est même pas la peine. Là, ici, le désert, c'est pas la peine non plus. Il doit y avoir un entre-deux, de toute façon. Hein, donc, on va chercher. Hein. Combien on a, là? On a 1000 balles sur nous. On a 1000 balles sur nous. Ça, on peut peut-être le vendre. Ça, on le met. Ouais. On a 1000 balles sur nous. Oh là. Ouais, Aoi. Est-ce que tu as des œufs de machin, toi, tiens? Sure, take a look. Oiseau, non, on n'a pas. Ça, tout ça, ça a été appris. Barrière, ça a été appris. Boule de feu. Boule de feu, ça peut être intéressant. Ah, mais le problème, c'est que je me suis pas spécialisé en élémentalisme dans cette partie-là. Capture d'âme. Ouais, pas forcément très fan. Pareil, feu mordant, c'est pas intéressant. Élémentaire de terre, on peut l'acheter. On peut l'acheter en vrai. Ça, c'est de la magie blanche, ça nous intéresse pas. Alors, encore une fois, c'est tout de l'élémentalisme. Et l'élémentalisme, j'ai pas mis un point dedans, donc ça ne sert à rien. Ok. Hop. Ça, je peux l'apprendre. Donc, elle ne vend pas les œufs. Est-ce que je trouverais un marchand I think one of the four. Grandpa always said they were just tales. Quite the question. As sure. Alors, montre-moi. Tu n'as pas de d'œuf? Non, tu n'en as pas, malheureusement. Come back anytime. Tiens-toi là. Kirash, what gave me away? Well, I'll have to work on my disguise. Ouais, connaissance, on s'en fout. You can say what you will about Endor. Montre-moi. Of course, chérie. Œuf de poisson. Ouais, c'est le poissonnier, quoi. Un poissonnier qui vend des oignons, pourquoi pas. Fruits, ça m'étonnerait. Well, flea isn't exactly the right... Well, Oh, well... Very stupid, if you ask... Bon, qu'est-ce que tu vends? Rugs, delicacies, only the best. Des bananes. Take a look. Il vend des bananes. Oh, c'est pas ouf, hein. Je pense pas que les œufs, je puisse les acheter. Là, on a du pain et autres. Quite delicious, if I may say so. And I don't even need a shop. Ouais, non. Je pense pas qu'on trouvera des œufs ici. Lui, en vrai, il a tout et n'importe quoi. Non, I just put them out for you to look at. Tell me what you need and be quick about it. Ah là, ça va être que des livres. Bon bah, je pense que pour les œufs, il va falloir que je cherche correctement. On va voir si on peut rien cuisiner là. Vite fait, pendant que j'y pense. Est-ce qu'on peut cuisiner des trucs? Voilà. Well, well. Eh bien, allons. Le problème, c'est que je ne sais pas par quelle quête commencer. On peut aller se battre. Dans le doute, quand tu sais pas, tu vas te battre.
Quand tu sais pas, quand tu as un doute, pas toi. Mets des grands coups de tête, des trucs comme ça. Mais c'est pas du tout l'endroit auquel je pensais, moi. Mais non, mais c'est pas ça. Taverne principale, place du marché, arène. Autant pour moi. Ah non, hein. Je vais pas m'énerver. Direction l'arène. On voit s'il y a moyen de... On va laisser le temps au jeu de charger quand même. Allez, on est à l'arène. C'est là-dedans, il me semble. Move along. Prondrière. Ah non, du coup. Bah, enfin. Bah, l'arène. Non, elle. Pas elle. D'abord ça. Les préparatifs terminés. Fondrière. Attends, du coup, ce serait vraiment dans les fondrières ? Fondrière de Trouville. Bon, bah, ça a l'air d'être là. Hein. Fondrière. Faut que je retienne. Ah. Voilà. Attendez, on peut parler. C'est qui Racha? C'est qui Racha? On peut pas parier sur notre propre victoire. Look at that. You have a talent for showing up when you're needed. Gur Halnan. He's been fighting for a while now. A brute in heavy armor. I won't lie. He'll be a tough nut to crack. Commençons. You know the drill. Go downstairs. Alors attends. Déjà, on va être malin, on va invoquer l'élémentaire de terre, qui est, me semble-t-il, le plus efficace, vu qu'il est niveau 18. Donc, élémentaire de terre dans une main, et épée mystique dans l'autre. Par contre, en termes de pouvoir, peut-être plutôt invocation d'apparition. Mais on dirait Abdelix en beaucoup plus blanc, par contre. C'est un Abdelix malade. Today, there is something special on the menu, or should I say something savage? Because this is a word that best describes the beast our still undefeated rookie must stand his ground against. Mesdames and messieurs, I present... C'est une quête niveau 3, je vais me faire éclater. Gur Halnan, the berserker of the steppes, versus the prophet. Après... Ils ont dit berserker. Hein? Comment ça? Oh, ce passage à tabac. Ah, par contre, montre-toi. Montre-toi. Je trouve que tu ressemblais fort à Abdelix. Oh, ce passage à tabac. Oh, le passage à tabac, vraiment, c'est... Oh, on l'a agra dans un coin. Ah. Oh. Oh, c'était très drôle. Par contre, j'ai pas vu combien j'ai été payé. Bon, de toute façon, là, ça sert à rien d'aller plus loin parce que ça va être de la quête de niveau 4. Là, le problème, c'est quoi? Niveau 3, ça va être compliqué. Chara au nomade dansant.
Donc ça, ce sera pour plus tard, la quête principale. On a été un secret, ouais. On pourrait peut-être essayer quand même une quête niveau 3. Hein. Ça se trouve, maintenant, on a ce qu'il faut. Hein. Vous sentez le mec qui a juste envie de s'énerver sur le jeu. Ouais. Après, j'ai que du niveau 3. Hein. Donc je me dis que, à part si vraiment j'ai raté plein de quêtes, il y a peut-être... peut-être un monde où... Alors attends, baraquement. Oui, baraquement. Voilà. Il y a peut-être un monde où on peut acheter des livres pour le psionisme. D'ailleurs, attends. Est-ce que des gens en livre de... Est-ce que des gens en livre de sort, le psionisme... Type. Là, on a tout ça. C'est bien beau, mais... Étincelle mortelle. Point maléfique qui a mis 38 points de dégâts entropiques tout en infligeant des dégâts au lanceur. Ouais, mais le problème, c'est que ça inflige des dégâts au lanceur, quoi. Il y a... Ranimer un cadavre, ça pourrait être bien. Hein. Dans le jeu, hein. c'est plutôt dans le sens... on pourrait être encore plus... Panique. Panique, c'est pas fou, hein. De dague. Dague rang 3, je suis pas sûr que ça vaille l'épée, quoi. Ours noir spectral, niveau 8. On peut acheter un ours. En vrai, ça se prend, hein. Ouais, non, j'ai pas grand-chose, hein. En psionisme et autres, hein. Eh bien, allons-y, apprenons des sorts de psionisme. Et nous, nous voulons psionisme spécialiste. Six. Allez, 6. Hop. Je pense qu'on va s'arrêter ici, YouTube. Hein. Non, mais... Arrête de m'ouvrir cette console de merde, là. Là, on est niveau combien en psionisme? 45? Ouais, donc il y a moyen de choper un peu plus, quoi. Il y a moyen de choper un peu plus. Et après... Faudrait voir si on peut mettre des points dans le... Dans le... l'arme à une main. L'armure lourde, on est plutôt pas mal. En vrai, on est à 44. J'essaye de voir, hein. Non, bah on verra bien. On verra bien, chers amis. Bref. Sur ce. D'accord. Bah, Richard voulait vous dire au revoir aussi, apparemment. Sur ce. passez une bonne journée. Voilà. Hein. Salut. Hein. Bref. Salut YouTube. Hein. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, tout ça, tu connais. Hein. Et puis, à venir en live. Voilà. Sur ce, je te laisse. À la prochaine. Ciao !